One, two, three, fuck it. Dans le fond, aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de faire un glow up. Fait que aujourd'hui, j'ai le goût de m'habiller vraiment dans le contraire de moi. Moi, je suis plus casual, écoute. Mais aujourd'hui, j'ai comme pas de mots pour décrire ce style-là. J'en ai aucune idée comment on appelle ce style-là. Fait que je suis allée faire des petits achats pour cette vidéo-là puis pour une autre vidéo que vous allez voir prochainement. Fait que au début, je m'étais dit pour recréer le look, les filles que j'ai vues, il y avait pas mal tout le temps des piercings dans le nez. Mais en tout cas sur le nez, dans la région nasale. Moi j'ai pas ça. Puis ben pour la vidéo, je m'étais dit ah, oh, ça pourrait être vraiment nice que je me fasse percer le nez. Mais en même temps, tu sais, j'étais comme ben après ça, je suis pognée avec ça pendant un espèce de méchant gros bout. Fait que je me suis dit que j'allais m'en acheter un faux. Sinon après ça, pour le look, écoute, vu que j'étais indécise puis je savais pas dans quelle couleur m'en aller, j'ai acheté des barrettes plein de couleurs. Je sais pas, tu sais, mettons, si je décide de m'habiller en bleu, en vert, en jaune, bref, je m'étais dit que j'allais m'acheter des barrettes comme ça. Puis, ben, le reste, c'est pour la prochaine vidéo que vous allez voir éventuellement. J'étais allée chez Ardennes il y a quelques jours de ça. J'ai acheté des chaînes. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je me suis acheté pour la vidéo. On va commencer le glow up. Oh merde, ma batterie va lâcher. Vite, vite, vite. Oh my god, oh my god. Vite avant que ma batterie lâche, ça c'est le maquillage. C'est vraiment naturel, ok? J'ai mis du blush, j'ai mis du highlight, j'ai mis du mascara. Puis j'ai fait de mes sourcils, puis ça finit là. Bon, ok, j'ai changé de batterie. Là, comme je vous ai dit, avant que ma batterie lâche, j'ai fait mon maquillage. J'ai mis du shampoing sec parce que mes cheveux en avaient besoin. Maintenant, on va faire... Le piercing, c'est l'affaire que j'avais le plus hâte. Sérieux, là, j'avais vraiment hâte de me voir, moi, avec un petit piercing sur le nez. Je sais pas si je devrais prendre le gros ou le petit. Je pense que je vais essayer en premier avec le gros. Je ressemble à une vache. Legit. Non, on va prendre plus petit, hein. Ah, est-ce que ça, c'est un nom? D'accord. On va réessayer le moyen. Attends, je vais faire les beauty gurus. Bon, ok, ça veut rien savoir pendant tout. Aïe aïe donc! C'est bien mal. Oh, oh. Oh. Non, je pense que c'est vraiment le petit qu'il me faut. C'est tellement laid! Oh mon dieu! Ben... Non, c'est vraiment le petit qu'il me faut. En ce moment, j'ai vraiment l'air de me décrotter le nez. Là. C'est juste... Ok... Ouais, je sais vraiment pas quoi en penser. Ok, je suis rendue avec un faux piercing. Je sais que... En tout cas, toutes les photos que j'ai vues,
les filles portaient souvent des doubles couches, là, genre deux couches de vêtements. Fait qu'il y avait un col roulé en dessous ou simplement un chandail à manches longues. Puis par-dessus, ils mettaient un chandail de couleur ou un chandail plus... j'avais le goût d'y aller dans le coloré. J'avais pas le goût d'y aller dans le noir, tu sais. J'avais le goût aussi d'avoir des pantalons de couleur, mais j'ai pas ça. Fait que j'ai décidé de prendre mes pantalons noirs que j'ai achetés chez Urban Outfitters, que vous avez sûrement vu dans mon haul. Dans le fond, j'avais pas mal prévu un peu le outfit, genre les pantalons noirs avec le col roulé. Mais pour le layer par-dessus, j'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais, mettons, prendre mon chandail rose. Ou si je prends mon chandail bleu de chez Brandy, j'hésite vraiment entre les deux. Je sais vraiment pas ce que je fais. Pour le outfit plus rose ici, pour le chandail que je vais mettre genre par-dessus mon col roulé, j'avais décidé de peut-être mettre celui-là. Sinon, j'avais pensé à mettre ça avec ma barrette bleue. En voyant ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût d'essayer le chandail rose. Ça fait tellement bizarre de me voir avec un truc donné, ça a juste pas d'allure, c'est vraiment bizarre. Mais bon, ok. What the fuck? Ouais, fait que ça c'est le choix numéro 1. J'ai pas essayé l'autre, mais étant donné que j'ai un petit faible pour le rose, je pense que je vais opter pour celui-là, puis je vais pas l'essayer l'autre. Ah oui, j'ai une idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente que je fasse une autre vidéo dans ce genre-là, mais que je m'habille dans ce style-là pendant une semaine. Fait que dites-moi là dans les commentaires. Mais pour aujourd'hui, le look, ça va être ça. Parce que je pense que je l'aime bien. Fait que je vais garder ça. Je vais aller mettre la petite barrette rose, puis je vais finaliser le tout. Après ça, je vais vous montrer le résultat final. Puis j'ai comme rajouté ça dernière minute là. Je vais me prendre en photo, je vais le mettre sur Instagram, puis je vais voir ce que le monde en pense. Bon, on va mettre la petite barrette. Est-ce que je devrais en mettre juste une? Moi, ouais, je pense que je vais en mettre juste une. Là maintenant, je vais mettre les chaînes qui pèsent 3 tonnes. J'aime quand même ça, pour vrai. C'est vraiment différent de moi. D'habitude, je m'habille genre vraiment casual. Ouais, fait que c'est ça que ça donne. Oh.